time, but I go higher powers. Ok, ok, on va arrêter là. Hein, c'est assez malaisant. Hey, salut à tous mes petits poulets, c'est Geekmap, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, t'as vu les lunettes? Elles sont classe, hein. Dites-moi en commentaire si elles me vont bien. Soyez francs, hein. Soyez francs surtout mes poulets, hein. Donc aujourd'hui mes poulets, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait la connaissance d'une entreprise d'impression 3D. Je les ai contactés et puis tout simplement... Ben merci LV3D tout simplement. Voilà, donc comme vous l'aurez deviné, on va faire un unboxing, mais pas que, car on va faire des trucs assez what the fuck, vous verrez. Donc j'ai tiens à remercier LV3D qui m'a envoyé ça, tous les liens de son Facebook, de son Twitter, de son site, même du truc de l'imprimante 3D, parce que je pense qu'il y a une imprimante 3D et tout là-dedans, seront dans la description. Donc je compte sur vous même, il y a un concours pour gagner une imprimante 3D, de ma part, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez dans la description pour participer, c'est tout simple. Et puis on va ouvrir ça, et n'hésite pas à rester jusqu'à la fin parce que j'ai un petit concours à vous proposer, rien que pour vous. Et puis avant de commencer cette vidéo, je compte vraiment sur vous pour me bombarder cette barre de likes. On va atteindre les 1000 likes avant minuit. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre le couteau. Hop, c'est un ciseau hein, d'ailleurs. Hein. Je suis con, hein. Là, hop, hop. Là. Voilà, donc mes poulets, on va savoir tout de suite qu'est-ce qu'il y a dedans. Il m'a offert quelques impressions 3D et on va voir ça ensemble. Attends, vous la voyez pas, là elle est là, elle est là. Attends, je vais la déballer et je vous montre. Voilà, voilà, voilà. Ok, ok, c'est bon. L'imprimante 3D de chez LV3D. Elle est pas mal, à vous, elle était bien. Donc voilà l'imprimante, franchement, elle est très très bien. Franchement, j'avoue, elle est stylée. Mais mes poulets, ils sont tellement sympas qu'ils m'ont offert des objets 3D. Donc on va les déballer. Alors le premier objet, couteau. Merci. C'est un ciseau, encore une fois, bordel. Donc on déplie ça. Oh, on voit la tête. Poussez, madame. Poussez. Ouais, c'est un crâne. Oh, c'est stylé. Salut, abonnez-vous à la chaîne de Geekmap. Eh, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Hein. Ouh, oh, un cœur pour la Saint-Valentin. Ah bah je vais l'offrir à Kevin. Kevin, grâce à LV3D, je t'offre ton cadeau de Saint-Valentin. Mais vas-y, prends-le, wesh. Vas-y, il m'a joulé, là. Attention, le troisième objet. Qu'est-ce que c'est, ça? Ouais. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que c'est, ça, parce que j'en ai aucune idée. Et pour le troisième objet, attention, c'est un requin. Allez, lâche un like. C'est bien, requin. Non, mais franchement, cette entreprise, elle est what the fuck, tu vois. Ils sont géniaux, ces gens. Parce qu'en plus... What? Oh yes, des bonbons! Donc maintenant, on va brancher l'imprimante 3D et on va faire quelques créations. Allez, c'est parti! Alors, pour le premier objet imprimé en 3D, j'ai fait une petite erreur. Je pensais faire le gros bouton YouTube, tu vois, des 100 000 abonnés et tout ça. Et à la place, ça m'a fait un petit bouton YouTube. Tu vois, tu le vois même pas tellement qu'il est petit. Rien ni petit. Bon, c'est pas grave, l'essentiel, c'est que ça m'a fait un petit truc, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Une boîte de PS4? Non. Oh, un stylo! Non. Une manette, non. Oh! Pour les fans de CSGO, ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Regarde ça, mon gars. Ça, c'est pas du 40 bits normal. C'est du 40 bits 3D, mes poulets. Attends, regarde. Eh, hey, regarde bien. Regarde comment c'est trop bien fait. Oui, je l'ai argenté un peu, tu vois, avec de la peinture. Et tu vois, ça rend plutôt stylé. Attends, on va voir, ça tue des gens. Oh, merde. Oh, désolé. Oh, putain, pas fait exprès, hein. Et pour le dernier objet, mes poulets, je me dois de le faire. J'étais né pour le faire, cet objet. C'est écrit dans le parchemin, dans les 11 commandements. Cet objet est tout simplement... Une bite.
Voilà, tout ça pour une bite. Voilà, tu vois, c'est impressionnant. Hein. Non, mais voilà, je me devais de le faire, tu vois. Tu peux pas avoir une imprimante 3D et ne pas faire un zizi, tu vois. Et en plus, ça fera une bonne miniature, tu vois. Au moins, ça sera pas putaclic. Voilà, si vous dites que c'est putaclic. Mais bon, moi, pour moi, c'est pas putaclic. Chier, là. Mes poulets, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire un petit truc. Je sais que peu de gens ont une imprimante 3D, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ceci. Tu vois le truc que je vais vous dire maintenant. Dites-moi quelle impression 3D vous aimeriez avoir chez vous. Et puis, tout simplement, à 3000 likes en bas de cette vidéo, je sélectionnerai une impression 3D que je ferai, que je vous enverrai chez vous. Et puis voilà, hein, sur ce, je vous laisse avec l'outro. Allez. Et bien voilà mes poulets, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas comme toujours à me bombarder cette barre de likes, ça me ferait plaisir. Comme chaque vidéo, on va tenter les 1000 likes avant minuit, je compte sur vous mes petits poulets. N'hésite pas à commenter, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens seront en description. À activer les notifications pour voir mes vidéos avant tout le monde. Et puis sur ce, mes poulets, je vous dis, abonne-toi. 3, 2, 1.